Bonjour, nous sommes au stand Orange au Jitex Africa, hall 13B. Orange est en force avec tout son écosystème, Orange Maroc, Orange Middle East Africa, Orange Cyberdéfense et Orange Business. Nous sommes en force aussi avec un écosystème fort de start-up marocaines qui viennent nous représenter et qui sont incubées, accélérées dans le cadre de l'Orange Digital Center au Maroc, à Rabat, à Agadir et avec des corners partout dans le reste du Maroc. Aujourd'hui, Orange, c'est aussi une représentation avec, pour la première fois au Maroc, Amazon. Amazon qui vient avec des solutions de cloud, de cybersécurité qui vont nous porter encore plus loin dans la transformation numérique des entreprises marocaines. Orange Maroc, comme vous le savez, c'est un 4G plus everywhere. Vous l'avez vu sur nos différents booths au niveau des équipes B2B d'Orange. C'est plus de 10 000 km de fibre optique. C'est pour la 7e fois consécutive élu service client de l'année pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et c'est surtout des solutions de cloud, de cybersécurité qui vont vraiment apporter à tout l'écosystème des entreprises marocaines pour aller encore plus loin dans leur transformation. Sur le stand, vous allez trouver Orange Maroc qui va présenter les différentes solutions de cybersécurité cloud. Vous trouverez aussi Amazon avec sa filiale AWS, donc les services d'Amazon qui vont être commercialisés très bientôt avec Orange au Maroc. Orange Innovation sont présents aussi avec plusieurs simulations. On craint la cyberattaque. Eh bien, on vous plonge dans une cyberattaque simulée pour voir que l'erreur est humaine, mais la solution aussi. Et Orange s'engage à apporter des solutions de cybersécurité pour contrer ces attaques. On a un virtuality show tennis qui s'opère sur une dizaine de minutes. On voit que l'instantanéité du réseau œuvre pour recevoir la balle de part et d'autre. Et donc, on peut faire une partie de tennis en VR. On a aussi une démo qui s'appelle un jargon un peu B2B qui est data driven. C'est vraiment du crowdfunding pour voir comment le network, le réseau opère auprès d'un opérateur. Et ça démontre que nous, Orange, on s'outille par des moyens qui nous permettent d'améliorer la performance de notre réseau en continu et d'avoir des diagnostics qui œuvrent pour avoir le meilleur réseau au Maroc. Vous trouverez bien sûr toute l'équipe Orange Cyberdéfense, toute l'équipe Orange Business qui œuvre partout dans le monde avec des solutions qui sont pointues pour l'ensemble des entreprises. Et puis Orange Middle East Africa qui sont basés à Casablanca et qui sont là pour nous présenter le hub Maxit, donc leur marketplace, donc la marketplace d'Orange dans tout le continent. Une marketplace où on vend des services de contenu, de la vidéo, de la musique, mais aussi un site marchand B2B qui va bientôt voir le jour aussi au Maroc. Et puis, toujours avec Omea, on présentera Orange Énergie qui est une très très belle filiale et qui œuvre dans toute l'Afrique et qui peut être aussi une évolution pour Orange Maroc. Donc un stand très très riche, vous l'avez vu au centre du stand, les startups marocaines, quelques startups aussi qui viennent de la zone Middle East Africa, une startup tunisienne, une startup sénégalaise. Donc vraiment la mise en avant de ces startups avec un programme très riche de matchmaking avec tout l'univers finance, parce que le Jitex, c'est le rendez-vous de la tech et du digital en Afrique qui se passe au Maroc, mais c'est aussi beaucoup d'incubateurs, accélérateurs finance qui viennent déceler des idées porteuses qui peuvent faire aboutir certaines startups et leur faire rencontrer leur marché.